qu'on fait? Si on disait du mal, tu sais pas la dernière de la maison des plaines? Mais non, non, raconte ma Lucienne, c'est une nouvelle croustillante. Il paraîtrait, à ce qui paraît, qu'il y a une nouvelle voisine qui s'est installée. Elle s'appelle Madame Haute Tension. Il paraît qu'au club, on parle souvent d'elle. Il paraît qu'elle laisse les lumières allumées tout le temps chez elle. C'est pire qu'une discothèque. Et pourtant, elle pense pas à la planète ni à la cruche d'ozon. Et c'est pas une lumière. Eh ben, il fait chaud chez elle, faut voir un peu, au moins 35 degrés. Faut voir, elle monte les chauffages là-dedans, faut voir ça. Eh ben, il y a Raymond, il a sonné chez elle, il est arrivé en maillot de bain pour faire un sauna. J'aurais bien voulu voir sa tête quand elle a vu Raymond débarquer chez elle. C'est un vrai climat tropical. Eh ben, il paraît que depuis qu'elle est arrivée, le directeur, quand il reçoit les factures d'EDF, il a envie de s'arracher les cheveux. Hein. Oh bah, il va bien finir chauve avant la fin de l'année, comme oh. C'est là. S'acheter de l'air en bas, remplir la balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle, le poids sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus trop. Puisqu'il faut changer. Quelques baffes à prendre. La veille est pour demain. Des baffes à rendre. Faire tenir debout une armée de roseaux. Plus personne à genoux. Faire passer le mot. Gardons, ils ont rien compris. Ils ont beau éteindre la lumière. Comme d'habitude. Vous va être satisfait.